Et me revoilà. Putain, j'ai speedé. J'ai speedé pour manger. J'ai speedé là pour me préparer. Je me suis pris un petit jus de fruits pour la soirée. Voilà, donc on a streamé pas mal déjà cet après-midi. On s'est fait un bon live avec du Isaac, on va dire Worms, parce que on a mis très longtemps à pouvoir lancer le jeu et finalement le jeu a planté. Donc bon, c'était pas ouf. Et pour finir, on a fait un peu de Among Us. Voilà, toujours organisé par Season. Qu'elle soit ici remerciée. Voilà, elle organise tous les samedis quasiment des petits jeux en multi, ce qui est bien chouette, ce qui me plaît bien. Donc c'est vraiment cool. Que dire, que dire? Donc oui, tout à l'heure, des gens ont follow et l'alerte n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. C'est chiant. Il va falloir que je regarde pourquoi ça ne marche pas. Ah, mais bah coucou, Mr. Froggins. Bah merci. Merci, merci. Oh là là, mais tant de gens, tant de gens. J'étais en train de parler que maintenant j'avais Croix, trop bien. Coucou Melzekiel, je ne sais, je pense pas que tu viens du raid toi, mais ouais, super. En fait, j'étais en train d'expliquer que maintenant ça y est, j'avais des alertes de follow. J'en suis plutôt content. Mais tout à l'heure ça a bugué et je veux préparer les alertes de raid. Donc merci en fait d'avoir fait un raid, ça va m'aider. Je vais savoir le message qui est envoyé par l'API Twitch pour pouvoir faire mon message de raid. Si l'un de vous n'a pas follow la chaîne et veut bien follow pour tester le message de follow, qu'il le fasse maintenant. Ça fera plaisir à tout le monde. Voilà, merci Froggins pour le raid. Je pensais que tu allais encore streamer un petit moment en fait. Et voilà, donc ça me fait plaisir, ça m'étonne que tu me raides si tôt, mais ça me fait extrêmement plaisir. Donc ce soir, ouais, on va faire. Ah, t'as vu ça? T'as vu ça? Non mais. Attention, y a eu du budget, hein. Attention. Hein. Ah, une patate par Hush. Merde. Ah, dommage. Dommage. Je sais ce que. Voilà, je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait, donc je peux comprendre. Voilà, et donc ce soir je continue Monkey Island qui est un petit point and click très 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 sympa, très drôle. Ah, les 4 coeurs en 2 secondes, ouais, j'ai connu ça maintes et maintes fois. Ça fait toujours mal. Hein. Ce que je t'expliquais en fait cet après-midi, ouais, non, j'ai fait du Samson, je voulais aller à Zelem et puis finalement je suis mort. Je suis mort juste avant Zelem en fait, ça m'a fait chier quoi. Et je me suis transformé, j'étais plus Samson, et donc ça m'a gonflé. Un grand point and click. Exactement, Cactus. Bon, bonsoir à toi aussi, d'ailleurs, je t'ai pas dit bonsoir. Donc voilà, c'est réparé. Oh là là, personne veut follow pour avoir. Je voulais avoir le. L'alerte? Y a personne qui veut unfollow et follow? Sinon. Ah, merci. Merci. Ah là là, voilà. Voilà, l'alerte de follow qui refonctionne. Je suis content. Est-ce qu'elle est moins forte? Merci, merci. Ça y est, je suis content. Moi, ça avance un petit à petit, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, le chat qui est ici, évidemment, je n'allais pas le montrer là. Le chat qui est ici va aussi changer, va être. Je ne spoil pas, mais va être très beau très prochainement. Voilà, il va ressembler à autre chose que juste le truc que je récupère de Twitch en fait. Donc, ça va être un peu plus sympa. Voilà. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Je suis très content de vous avoir ce soir, tous. Et puis, on va se lancer le jeu, comme ça. En fait, ouais, je ne l'ai pas encore lancé. On va lancer le jeu, comme ça, on va pouvoir commencer, continuer. Et j'étais bloqué, je ne savais pas quoi faire. Donc, on va voir si je vais m'en sortir un petit peu mieux ce soir ou pas. Je ne sais pas encore. On va bien voir.
Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on va forcément passer un bon moment. Le jeu est vraiment très cool et très drôle, quoi. Hop. Donc, je sais pas si j'ai je sais pas si j'ai préparé ma scène. Ah, le pire streamer du monde. Attendez, je change, mais je pense qu'il n'y a pas la scène. Si. Regardez ça. Hop. Je y clique. Il a la magie. Paf, le jeu, quoi. Oh là là. Ah non, mais je deviens pro, hein. Franchement, je deviens pro, hein. Je m'étonne moi-même, quoi. Ouais, non, mais... Je sais cliquer sur des boutons. Ah là là, c'est vraiment chouette, quoi. La transition en or. Non, non, c'est clair. Hein. T'as vu ça? Ah. Maintenant, c'est bon, j'ai plus une scène par jeu maintenant. J'ai une scène pour tous les jeux. Et après, j'ai fait des groupes à l'intérieur. C'est vachement plus pratique. Voilà, je m'améliore au fur et à mesure. J'ai pas encore mis de... Ah, elle est géniale, la musique. Ah non, la musique de Monkey Island, elle est franchement chouette. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le pire, enfin, c'est que je la connaissais avant d'avoir joué au jeu, en fait. C'était la première fois que je jouais au jeu cette semaine. Mais la musique, c'est... Enfin, je sais que je la... N'oublie pas les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier. C'est quoi les raccourcis clavier? Ah. Les raccourcis clavier? Bah, je vais essayer de... J'ai contrôlé Alt. Globalement, je me sers que de cela. Et jusque-là, ça m'a quand même réussi. Allez hop. On est tipard. Ah. Bah c'est les mêmes, hein. Hop. Êtes-vous sûr? Yes. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oui, je peux faire des trucs. Et je vais faire de machin. Oui, la prison. Je vais récupérer la lime auprès du mec. Alors. Il y a plein de trucs. Il y a le... Ouais, mais ouais, non, mais Ezekiel. Alors, de temps en temps... Ouais, est-ce que tu peux rester? De temps en temps, je vais peut-être demander des conseils et des astuces, quoi. Parce que... Je sais qu'il y a encore le poisson au scum bar qu'il faut que je récupère, que j'ai pas encore réussi à récupérer. J'ai essayé pas mal de trucs dessus et ça n'a pas marché. J'ai la lime auprès du prisonnier qu'il faut que je récupère. Il y a le gnome qui me barre la route. Pour l'instant, c'est les seuls trucs. La lime, ça va me permettre d'aller voler. Je sais plus quoi. Chez les bourgeois, hein. Donc, je sais plus. Par contre, je sais plus ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait, le monsieur, avec la litose? Look, I like visitors and everything, but I don't have much more to say. Plus, my throat's getting dry from all this talking. Why don't you go find someone else to talk to? It's not like I'm the only pirate left on the island or anything. Ok, il m'envoie chier en plus gentiment, c'est bien. Ah ouais, non, mais j'en ai fait un de point and click aussi. Peut-être un jour j'en ferai un jeu qui coûte 5$. T'as créé un point and click, Froggins. C'est pas que tu as fait, tu as joué, c'est que tu as créé un point and click. Et il est publié quelque part. C'est cool. Il est dispo quelque part ou pas? Ou pour l'instant c'est que un truc que tu as de ton côté et c'est tout. It's locked. Ah, fallait le débarrasser des rats. Mais j'avais le truc à taupe, mais ça marche pas le truc à taupe. Viens, petit rat. Mais qu'est-ce
Bute le rat. Ouais. Est-ce que je peux utiliser sur le mec? That doesn't seem to work. Ouais, non, c'est pas une. Monsieur n'est pas une taupe géante. Ah, tu as été censuré, Froggins. Tu as été censuré. Un truc que. A priori, Twitch n'aime pas. Donc, c'est sur étoile. Ok, mais bah tu vois, je serais curieux en fait de tester si un jour tu le publies et tu le sors. Je testerai bien. Ça me ferait rire. Mais merde. No need for that now. Oui. C'est pas ça quand même. Putain. Hey, my work on the rats. Thanks. Here's the cake. Ok. Ichio, d'accord. Ça marche. J'ai le cac. J'ai le cake. Qui va me dire ce con? I told you, I don't have much more to say. Non mais oui, j'avais pas essayé le donner le produit à taupe. Ouais, parce que j'ai essayé le produit à taupe sur les deux cellules. J'ai essayé. Merci Froggin, c'est encore super super merci pour le raid. Ça me fait super plaisir. Voilà, c'est plutôt cool. Et le petit projet dont je t'ai parlé avec Avorpal, voilà, ça avance. Donc dès que c'est un peu plus mis en branle, je dirais, voilà, tu seras l'un des premiers informés. Donc merci à toi et bonne soirée. Ok. Donc ouais, non, le produit à taupe, il me semble que j'avais essayé de le donner ou pas. Je sais pas, je me suis peut-être... Bye bye. Je me suis peut-être planté, en fait. J'imagine dans quel état de stress tu devais être, Cactus. Derrière ton écran, à dire, mais vas-y, c'est simple, fais ça. Je suis désolé, si tu as un ulcère, je paye pour les frais médicaux. Je peux comprendre que ça sera de ma faute. Par contre, ouais, il m'a filé le cake. C'est bien mignon. Je vais essayer la cuisine. Je peux pas filer le cake. Je vais essayer de filer le cake au pigeon. Les pigeons, ça... Non. Les pigeons, ça aime bien les cakes, non? Oh, cette musique. Toutou chien. Ouf. Toutou chien. Trop mignon. Bon, pareil, Melzekiel, hein, j'espère que je ne t'énerve pas trop. C'est un de tes jeux préférés. A fail. Ne m'en veux pas. C'est ma première fois. Et après, je sais pas ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, les point and click. Si je fais. Si je refais les Déponia, est-ce que ça vous brancherait? Parce que les Déponia, je les ai vraiment bien kiffés. Et alors maintenant, je sais qu'il y a donné. Donc donné le gâteau. Je peux rien faire. I think that bird will peck my hand off. Mais merde. Qu'est-ce que je peux faire? Le gâteau là-dedans. Utiliser le gâteau.
Ça a marché? It's boiling hot. Hein? Hein? Pourquoi j'ai la lime? Ouais bah ouais si c'est un truc que je peux rater si je fais pas ouais non vas-y si c'est pas essentiel à l'histoire vas-y au contraire si y a moyen de se taper une bonne tranche de rigolade sur une scène au contraire j'apprécierais grandement que tu le fasses. Hein? Putain, je voulais voir s'il n'y avait pas un truc à droite comme j'avais fait le con là, le truc où fallait. T'as fait fondre le gâteau, je pense. Tu peux aussi le manger. D'accord. Ah, il y a plusieurs manières en fait de. Putain, je pigeais pas pourquoi j'avais la lime. La lime était dans le gâteau en fait. Oui, bah oui, ce qui est. Putain, les vieux clichés en fait de la lime dans le gâteau. Oui, d'accord. Putain, la cam est mal placée. Merde, ma cam est mal placée. Attendez. Hop, je vais la mettre plus en haut, je pense que ça gênera moins. Voilà. Oui, non, la vieille scène de la lime dans le gâteau, oui, non, j'aurais dû y penser. Effectivement. Mais là? Ah, mais regardez. Faut que j'appuie. Tiens, connasse de mouette. Ah, t'as l'air con maintenant. En fait, ouais, non, je voulais voir si je m'étais pas fait baiser comme quand on a creusé pour récupérer le t-shirt là. S'il y avait pas un truc à droite, parce que j'ai tendance à ne pas aller jusqu'au bout. Mais voilà, ok. Bon, on a de la lime, on va pouvoir aller. Alors, c'est juste au niveau de l'ordre de 3 étapes, l'épreuve. Il ne peut pas faire l'épreuve de l'idole en dernier. Ça a déjà fait le trésor, je crois. Donc, ne fait pas d'autres épreuves avant d'avoir l'idole. Mais l'idole, c'est ce que j'allais chercher là, non? C'est l'idole, c'est le truc qu'il y a chez la comtesse là. C'est pas la comtesse, mais bon, vous m'avez compris quoi. Le mec a trop suivi. Le mec a trop suivi l'histoire. Ouais, voilà, bah ouais, j'allais utiliser la lime. C'est la gouverneuse, voilà, c'est ça. Et pas la gouvernante, hein. C'est autre chose. Alors. Les pauvres chiens. Les pauvres toutous chiens. Je m'en veux, franchement. Hein. Moi, je voulais leur donner le pouic-pouic. Je voulais leur donner le pouic-pouic et finalement, on leur a filé un truc rassis dégueulasse. Ok. Ça marche. Eh ben, écoute, je vais pas faire l'idole l'an dernier. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. I don't see anything special about it. I've got the file. Utiliser manuel du style avec rap. Hein? De 1, donner, confetti stylisé à clown armé lourdement. Oui. Marcher vers... Oh là là, mais c'est scène quoi. Lancer chèvre en cire dans feu. Ok. Marcher vers. Utiliser lime sur. Ongle de rhinocéros. Utiliser lime sur verrou. Prendre idole fabuleuse. Marcher vers. C'était des feux d'artifice ça? Les conneries. That was a close one. Putain, oui. I got the idol. Effectivement. But I'm not done with you yet. Ah merde, le shérif.
Thought you could get out of here with the idol of many hands, did you? Look, I can explain. So can I. You poisoned the governor's pet poodles. They're just sleeping. Broke into her house. On rappelle que voilà, aucun chien n'a été maltraité pendant la création du jeu. No, you've got it all wrong. Oh, really? Well, let's c'est clair que c'est un peu c'est clair que c'est un peu chelou quand même. Ah merde. Bah je vais dire la vérité en fait. The pirate leaders told me to do it. What's going on here? I caught this hoodlum making off with your idol, Governor. He says the pirate leaders told him to do it. Then he's not the first decent person they've led astray. What? Voilà. You heard me, Fester. The real question is, how did he get in here while you were on guard? Ooh. I. Oh, just go away, Fester. Ooh. I can handle this. Fester, là. I'll deal with you later. Son job. Sorry about him. Pas sûr de le garder. Hein. He's new. I'm Governor Marley. Governor Elaine Marley. So the pirate leaders made you do it, eh? Ah, j'imagine que dans le jeu original, en fait, la fiche qu'on voit au tout début du jeu, on n'arrive pas vraiment à faire la différence, enfin, à savoir si c'est un mec ou une nana, en fait. Et vu que c'est genré au masculin depuis le début, on peut être assez assez étonné en fait que ça soit une nana à ce moment-là. Ok. Cactus, est-ce qu'il faut que je, du coup, après là, quand une fois que je, bah, enfin, maintenant que j'ai l'idole. Est-ce qu'il faut que je retourne voir les trois vieux ivrognes ou pas, ou ça va se faire tout seul. Oh, enfin, pas mal, en fait. Gosh. Relax, Mr. Threepwood. I know why you're here. Oh là là. Believe me, you're not the first who's tried. Although I have to admit, not many get as far as you have. Ah, bah, voilà. J'ai réagi, je lisais pas, hein. J'ai vraiment réagi en me disant, ah, je suis pas si con que ça, donc bon bah. Ah, c'est pas le même, c'est pas mal le. Ah merde. I've wanted to meet you ever since I heard your fascinating name. Oh là là. Guybrush, why do you want to be a pirate? You don't look like one. Dis donc, oulala, mais c'est Esmeralda en fait. En fait, dans la version d'origine, c'est Esmeralda quoi. Je préfère cette version là. Je sais pas ce que t'en diras, Cactus, mais je crois qu'il a plus trop de sang dans la tête. I see. Well. You're obviously not in the mood for idle chit-chat, are you? I suppose you've got many more exciting things to do. I won't take up any more of your time, Mr. Threepwood. Ah ouais, non, je dis pas que. Bobble. Bobble. Bon, dis donc. Il est amoureux, lui, hein. Il est amoureux. Ouais, non, les portraits pour l'époque étaient cool, quoi. Mais le style qu'ils ont donné. À la gouverneuse, voilà, me plaît plus maintenant que. Parce que ça ressemble vraiment à un truc Esmeralda, quoi. Oh, encore lui. Je vais mettre Sidel dans mon coffre-fort. Tu sais, on pourrait faire la paix, toi et moi. Excuse-moi, Shine Top, tu bloques la porte. Casse-toi, pauvre con. Eh bien, en hommage à Nicolas Sarkozy, bientôt en prison. Casse-toi, pauvre con. I think you need to cool off. Hand over your sword. Uh-oh. This is the end of the road, my little pantalooned pal. Your troublemaking days on Melee Island are over. My plans for the governor are far too important and much too near completion.
to risk letting a would-be pirate like you get in the way. So long, j'ai l'impression que Spice Cake or Droop Face or whatever your name is. Là, j'ai l'impression que c'est un méchant, le shérif. This might actually turn out to be a pretty good day. Vous voyez ? Voilà. Look sharp. Rusty, but sharp. Sharp and dangerous. I can't reach that from here. I can't reach that from here. I can't reach that from here. Actually, it's more like a fabulous doorstop. I can't move it. It doesn't seem to open. No staples to be removed. J'aurais essayé, hein. J'aurais essayé. Il retourne, il retient sa respiration quand même super longtemps. Hein. Prendre ça? I can't reach that from here. Mais je peux rien prendre. I can't reach that from here. It's sharp. I better be careful. I can't reach that from here. I can't reach that from here. Putain, mais qu'est-ce que tu peux récupérer du coup? L'appel. Il y a des mecs au-dessus. Hey des... Nick, I just committed a felony. It doesn't seem to open. Did it involve that big knife you've got there? Yeah. What should I? Ah mais oui, c'est vrai, il a dit 10 minutes exact. Well, get rid of it. Et comme quoi? I'll throw it in the water. Oh yes. No, don't do that. Si si, fais ça. Why not? I need to ditch it. It might wash up somewhere. What do I care? My prints won't be on it. I'm throwing it in. I might need it. Non. See ya. Quel con. Bon. Je vais attendre que quelqu'un d'autre commette un méfait. Non, je peux sûrement faire quelque chose. L'appel. That doesn't seem to work. Non. Utiliser l'appel pour récupérer un autre truc. I can't reach that from here. Sharp and dangerous. Que je... Est-ce que je peux pas dresser le poisson? Est-ce que le poisson, si je le remets dans l'eau, il est... donner le poisson à l'idole, non? Non? Non. That doesn't seem to work. Ouais, non. Actually, it's more like a fabulous doorstop. Un presse-papier. That doesn't seem to work. I don't want to get it wet. Doesn't seem to open. It doesn't seem to open. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je peux donner, ouvrir, regarder, pas parler. Je peux parler à l'idole. Non, non, je peux pas parler à l'idole. I can't reach it. I'm tied to this stupid idol. I don't see anything special about it. I can't reach it. I'm tied to this stupid idol. Tout, 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 tout.
Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai qui pourrait m'aider? T-shirt, la pelle. I can't move it. Ok. Je peux pas la pousser non plus, hein, c'est ça? Ouais, non. Donner. Ah, donner l'idolf à qui? À un poisson. Non. À... au poisson, là. That doesn't seem to work. Non. Putain. Prendre. Ah ben. I guess I'll be needing a sword. Mais c'est complètement con. Well, that wasn't so hard. Ah mais ce gros troll. Governor. Hey. You can talk. On peut pas, oui, étant donné qu'on a un inventaire qui est infini et qui ne pèse rien, évidemment, no, ça me paraît logique. I came down here to save your life. Fester wasn't acting on my orders when he threw you in there. You came down here to rescue me? I didn't even think you liked me. Well, our first meeting was a little awkward. You seemed to have trouble forming complete sentences. But then again, so do most of my citizens. But I'm not one of your citizens. I'm just a drifter. A nobody. A would-be pirate. Who would have known or even cared if you'd let me drown? I would have, Guybrush. Oh, Governor. Il est en train de rêver, ouais. Oh, Threepwood. J'allais dire, il est en train de rêver. Oh, Guybrush. Love Muffin. Sugar Boots. Honey Pumpkin. Plunder Bunny. Kiss me. No, we mustn't. What? Not here, where everyone can see us. Why? Are you ashamed of me? No, no, it's not that at all. It's just that many of these pirates have made advances towards me. And to avoid hurting their feelings, I've always told them that my father made me promise never to fall in love with a pirate. If they see us together, they'll know I was lying. Okay then, let's go to your place. Okay. But finish your trials first. I don't want you to be preoccupied. But... I feel this sudden urge to complete the trials quickly. Ah mais vraiment? Donc, ouais, mais t'as, ils sont vraiment amoureux comme ça, en 3 secondes, quoi. Ok. Ok. C'est waouh. C'était inattendu. Est-ce que c'était ça, du coup, la scène que j'aurais manqué, en fait, si j'avais fait ça en dernier? Ou pas? Ah mais oui, non mais c'est direct, c'est pour ça, tu sais, je pensais vraiment qu'en fait le mec était en train de se noyer et juste avant en fait... Hein? Ah d'accord, on arrive là. Oui en fait, tu vois pas si tu le fais en dernier. Pour une raison que tu découvriras, ok. Ça marche. Ah ouais, non mais Oh, les deux amoureux, là, direct. Petit toutou chien. Toutou chien. Allez. Alors. I'm the sneakiest footpad in these isles. Oh, sneakiest, c'est pas le plus malin. And thank you for stealing it for us. I'll just be running along now. Leave us to our grog. Come back later and tell us how you're doing. Yes, yes. Je reviendrai.
I'll be back. Ah non, c'est une autre franchise. Ah, tu meurs vraiment, d'accord, ok. Ah, c'est rigolo. Et du coup, t'es obligé de recharger une sauvegarde ? Ou ils te remettent juste avant Mais c'est plein de petits détails, c'est rigolo, hein. Le fait qu'il en parle au tout début en disant « Ah là là, je peux retenir ma respiration pendant 10 minutes » et tout le monde dit « Ouais, c'est bien, gars, en fait, mais ça te servira jamais, on s'en fout. » Et finalement, si, ça lui sert, quoi, c'est assez rigolo. On va aller chez le vieux. Hey, where'd you go? I hike halfway across the island to try and get you a reservation with the Swordmaster, who, by the way, says you can go jump in the lake. And when I come back, whew, you're gone. See if I ever do you a favor again. What do you want? I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. Look, I told you she doesn't want to see you. Maybe if you asked her again? Hmm, I guess I could hike all the way over there again. Be right back. And don't touch anything! Oui. J'ai l'épée maintenant. Slashmaster, when you want a sword as sharp as your wit. Tout. Ça, je l'ai fait 12 fois. Tant bien qu'il y a un truc, mais il se passe rien. Hop, on va le faire revenir. Oh, I should have known it'd be you again. Mais ouais, non, mais l'énigme, mais c'est super drôle en fait, parce que c'est, enfin, il brise en partie le quatrième mur en fait en faisant ça. C'est vraiment, on sait que t'as un inventaire. Qui est infini dans le jeu et que tu peux porter n'importe quoi et que ça t'impacte pas en fait en tant que personnage, quoi. Et donc tu utilises ça pour résoudre une énigme. Enfin, je trouve que c'est malin, quoi. C'est franchement malin. I think I'd just like to browse. Oh, be my guest, Fancy Pants. Fancy Pants. Si je te donne ça. Sorry, no refunds. Non. Si je te file un. We only take cash here. Je te file un truc pour enlever les agrafes. Du ragoût. Tu veux du ragoût? We only take cash here. Putain, t'es chiant, enfin, un peu quand même, comme vieux là. We only take cash here. Le vieux poisson qui pue. I can't move it. Did you just come in here to get out of the cold, or do you actually need something? What do you think this is, a museum? Oui, ça. Vas-y, je te parlerai à mon cheval. I think it's a herring. On va voir idée. Pouette. Alors. Ah, effectivement, le gouverneur, est-ce que... C'est pas forcément ce que c'est. C'était où? Bon.
J'ai une idée. Le gnome, ce qui lui plaisait pas, c'était l'odeur. Il aimait bien la couleur de la viande. Mais ce qu'il aimait pas, c'était la couleur, l'odeur. Est-ce que le poisson qui pue... Est-ce que le poisson qui pue, c'est ok pour lui? Ah putain. Ah, le mec aime les poissons rouges, quoi. Hein? Mais c'est Putain. Je délire ou c'était George Lucas? Ah voilà. Voilà. Ok. Voilà, je l'ai dit au moment où je le lisais sur le chat, c'était George Lucas. Je suis pas trop con. Et en fait, cette énigme a une vraie explication en anglais. Ah, vas-y. Du coup. Spiffy. Cute but small. T'as une machine à grog. Tu lui donnes un red herring. Un rond. Ouais. Non, je l'ai pas là. Tiens, est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a une suite à ton message ou pas? C'est juste ça. Ah, mais un red herring. C'est aussi une expression en économie dans les point and click qui désigne quelque chose qui attire l'attention mais qui est en fait inutile. Ah, c'est pour ça qu'il disait que c'était. Il voulait quelque chose d'inutile. Ah putain, ok. Ah ok, d'accord. Oui, on n'a pas l'expression en français la même. Ah bah merci Cactus. Enfin. Ouais, c'est vraiment intéressant. Effectivement. Tu vois, j'avais pas cette connaissance. Je me demande s'ils s'en servent pas dans des Ponia, je crois pas. Dans des Ponia, les platypus. Ce qui n'a rien à voir. Ouais, bah ouais, en français, ouais, ça passe. Ouais, non, mais enfin là, ouais, j'ai pu remarquer entre ce qu'ils disent et ce qui est écrit, il y a une différence et tout. C'est moins. Il y a quand même une de la déformation, quoi. I don't see anything special about it. I don't see anything special about it. Welcome to Stan's previously owned vessels. I'm off searching the globe right now for the finest and previously owned marine transportation. Have a look around. I'll be right back. Stan. Donc les bateaux tout neufs d'occasion. Ok. Jusque là. I better not. I can't move it. Ok. Hein? Non. Utiliser la machine à la grog avec quoi? J'en sais rien moi. Des sous. Voilà. Nothing. Comment ça? I'm not stupid enough to do that twice. Merde. Dang. Avec des manteaux. Pieces of eight are the preferred local currency. Moi j'aurais mis un manteau ça. Pieces of eight are the preferred local currency. Ouais non ça marche pas. Ok, est-ce que je suis un connard? Nothing.
faut le faire combien de fois? Il y a un succès? Il y a un succès à la fin ou pas? Bon, il n'y a pas l'air. Ah, c'est ça. Ok. Pour pièce. Enfin, dans l'état. Pourquoi je sens que c'est celui-là qui va prendre. Ah, un fixer-upper. Looks like one of those well-engineered imports. Bah, effectivement, ouais. Dull. I'm surprised this one is still afloat. Dull. Ouais, on va essayer d'aller à la maison. Already ring something that misled or distracts from a relevant or important question. Ok. Et ben je vais à la maison. C'est ma maison à moi? A priori non. Captain Smirk's Big Body Pirate Gym. Prices. Sword training. 30 pieces of weight. Cannon firing, 160 pieces of weight. Balls extra. Grappling hook, 130 pieces of weight. Hook extra. Ah bah c'est cool, je vais pouvoir m'entraîner. I think I'll knock. It'd only be polite. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Ah putain. Putain, c'est bonne ambiance, hein. Do you know where the Swordmaster lives? Forget it, kid. She'd cut your head clean off. Unless, of course, you got some training first. Oh, pourquoi je sens Could que c'est... Could you train me to be better than the Swordmaster? Better than the Swordmaster? You? Oh putain, mais tout le monde se fout de ma gueule. Hein. The sword fighter Carly is. Even with hours of hard work and sweat and blood. I remember fighting side by side with Carla at Port Royal. The local constabulary had us cornered. It looked like we were done for, but then she said, "But I digress. You just don't have what it takes." Il doit vraiment arrêter de fumer. What I really should do is make you eat this stogie. Bah. C'est vrai, c'est pas bon pour lui. What do you want? I do so have what it takes. You do not. Oh les trucs chiants. J'adore dans ce jeu, c'est faut vraiment insister comme un gros malade quoi. You do not. I do so. Oh, I like your spirit. I'll do what I can. Putain. Ah, faut que je ouais, bah, évidemment, faut que je paye. What do you got? Ah. Est-ce que je vais essayer de refourguer le poulet ou pas? All I have is this dead chicken. This isn't one of those rubber chickens with a pulley in the middle, is it? Ah, si. I've already got one. il s'est fait bon aussi. Ah, c'est ce qui est marqué sur le panneau. Well, I've got 30 pieces of eight.
Say no more, say no more. Let's see your sword. I do have this deadly-looking chicken. Yes, swinging a rubber chicken with a big metal pulley in it can be quite dangerous. But it's not a sword! Let's see your sword. Oh, dis donc, Oh, je veux pas te la montrer. Mais dis donc, il est timide. Okay, check it out. Yes, this is a nice one. Let's get to it. Okay, you maggot. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it. Boy, you fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Yes, I can see this is gonna take some special measures. Just want you to know, I don't do this with everyone. It's only because I feel that special student-mentor pieces of eight bonding that I'm going to these lengths. I'm gonna put you up against the machine. The machine? Is this gonna hurt? Yikes. Come at me. Don't be afraid, you won't hurt me. Advance, thrust, recover, parry, repulse. Watch your footwork. No! Beat first, then lunge. No! Beat first, then lunge. Distance, distance! Hours later. You're starting to get the hang of it. More hours later. Machine! Not bad. You've got good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. A pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, they know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see, kid, your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Well. Okay. Imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting, and I say to you, you fight like a dairy farmer. You respond with? Alors, ouais, mais ouais, non. Du coup, là, vu qu'on l'a pas en VO, je pense que ça a beaucoup moins de... J'aurais dû le mettre en... J'aurais dû le mettre en VO, je pense. Dairy Farmer. So's your sister? Je pense que c'est so ça, en your fait. Mother. So's your mother? Voilà. I can see we've got a lot of work to do here. Ah, merde. You should have responded with something like... How appropriate. You fight like a cow. You see, it's razor sharp wit like that that wins fights. Let's try another. D'accord, faut trouver quelque chose qui soit en rapport. You're trapped up against a wall. My sword just slashed two cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. Soupe, je vais t'embrasser avec mon épée. How appropriate. You fight like a cow. No, no, no. Vous m'avez dit de pas dire hardy. Mais j'ai pensé à ça en fait en choisissant ça. Vous m'avez dit de pas dire hardy. Correct response to soon you'll be wearing my sword like a shish kebab would have been something like first, you better stop waving it around like a feather duster. See? Razor sharp. Now, I suggest you go out there and learn some insults. I can't help but feel like I've been ripped off. I'm sure you're feeling something similar. Quatrième mur encore qui est brisé là. Paf.
Juste, je vous laisse 2 secondes, mais vraiment 2 secondes, il y a mon chat qui gratte à la porte, donc je reprends tout de suite. Mais vous m'avez dit de pas dire hardi. Dutron et Françoise, Juliette. Mais non, hardi. Ah là là. Ah mais je vais pouvoir me battre contre les débilos maintenant. Allez hop, viens, viens me battre. Allez. Putain, venez vous battre là. Moi je veux me battre contre lui là. Allez. Ah voilà. Alors. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Yes. Ah bah c'est bizarre ça. Ces deux-là, je les connais. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First, you better stop waving it like a feather duster. Ah bah. Comme par hasard, dis donc. I once owned a dog that was smarter than you. Alors, j'avais un chien qui était plus intelligent que toi. Macaque. I'm rubber, you're glue. You make me want to puke. Putain, mais ça a rien à voir en fait. Entre les trucs qu'il y a marqué en français et les trucs en anglais, ça a rien à voir quoi. Alors j'écoute le truc en anglais, mais sur quoi je me base quoi. Et tu me donnes envie de gerber. Et là ça parlait de. Et là ça parlait de pantalon. Could you repeat that? I didn't quite get it. I said you make me want to puke. J'ai dit tu peux pas te payer des pantalons plus longs. Ah mais y a d'autres trucs. Ah non c'est bon. Putain mais non je sais pas. I'm shaking. I'm shaking. I'm shaking. I'm shaking. Give up. You win. Bon, c'était nul. What you be wanting, you scurvy lover? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Pas doué, hein. Ah, ça, j'apprends des nouveaux trucs. Ah. Ah. I once owned a dog that was smarter than you. He must have taught you everything you know. Et du coup, j'apprends les répliques, enfin ce qu'il faut dire. Putain, d'accord, OK. You make me want to puke. OK. Ok, j'ai compris. Oh yeah. You have the manners of a beggar. Oh yeah.
Uncle, uncle! D'accord. Move out of the way, or I cut me way through. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Hop, les pantalons. You make me want to puke. I am rubber, you are glue. Ok. You fight like a dairy farmer. How appropriate. You fight like a cow. You make me want to puke. Up. I am rubber, you are glue. You're no match for my brains, you poor fool. Il y avait un truc avec les idiots. Oh yeah. Where did my sword go? Stopping a pirate can be dangerous to your health. J'apprends au fur et à mesure. My name is Guybrush Threepwood. Prepare. J'espère que je vais me rappeler. Après, faut vraiment que je me rappelle. Le shish kebab, je sais plus. J'avais un chien qui est plus intelligent que toi. Faut répondre. Il a dû tout apprendre. Je peux pas payer les pantalons plus longs. C'est toi-même macaque. Le farmer, c'est t'es une vache. You have le mendiant, c'est quoi? I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. Ok, j'essaie de me mettre à ton niveau. Le beggar, c'est mettre à mon niveau. Ok. I got this scar on my face. Putain, il y en a encore. During a mighty struggle. Oh yeah? Comment ça? I've spoken with apes more polite than you. Oh là là, mais il y en a combien? I am rubber, you are glue. I give up, you win. Oh mais non, pourquoi il est pas venu lui? Parce qu'il faut que je me mette là. Je me mets là, je me fais forcément choper. Ah mais lui, il s'est barré à la fourche là. Move out of the way, or I cut my way through. Hop. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Ok, hop, les pantalons. I got this scar on my face during a mighty struggle. I am rubber, you are glue. La voix muée, c'est Ok. Le mendiant, je sais plus c'était quoi la réponse. Merde. I've spoken with apes more polite than you. Oh yeah. Ok. You don't match for my brains, you poor fool. I'd be in real trouble if you ever used them. You're no match for my brains, you poor fool. I'd be in real trouble if you ever used them. Oh, je l'ai eu. I give up. You win. Oh là, je l'ai eu. Je deviens bon. Move out of the way, or I cut me way through. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. En vrai, personne se tue. Hein. Ça, je l'ai eu. Cela, je l'ai eu. Boy, are you ugly. Là, je l'ai pas eu. What's the matter? Just get out of sword fighting class. Ok. People fall at my feet when they see me coming. Oh là là, les gens tombent comme des mouches. I'm shaking. I'm shaking.
You fight like a dairy farmer. Pas comme un bœuf. How appropriate. You fight like a cow. What an idiot. Ha! Is that the best you can come up with? Okay. Yikes, nice move. Ça avance, petit à petit ça avance. Merde. Be important. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Prepare to die. Allez. Il y avait quoi? You call yourself a pirate? What's the matter? Just get out of sword fighting class. Okay. I got this scar on my face during a mighty struggle. Ta voix pas encore muée. Ah merde, je sais plus c'était quoi. Oh yeah? You have the manners of a beggar. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. I've spoken with apes more polite than you. I'm glad to hear you attended your family reunion. Where did my sword go? What should be wanting? Scurvy lover. Ah, c'est pas le même que d'habitude. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. Oh yeah. I once owned a dog that was smarter than you. He must have taught you everything you know. I've heard you were a contemptible sneak. Encore. I am rubber, you are glue. I once owned a dog that was smarter than you. Okay. Ça, c'est... He must have taught you everything you know. I got this scar on my face during a mighty struggle. I hope now you've learned to stop picking your nose. Yikes, nice move. Excuse-moi, j'ai fait un tube l'été dernier. Ok. Move out of the way, or I cut my way through. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Eh ben... Oh, you make me want to puke. You make me think somebody already did. I've heard you were a contemptible snake. I'd be in real trouble if you ever used them. You fight like a dairy farmer. How appropriate. You fight like a cow. People fall at my feet when they see me coming. Even before they smell your breath? Uncle, uncle! Putain, mais c'est plus compliqué que ce que je pensais en fait, hein. Move out of the way or I cut my way through. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die.
I've heard you were a contemptible sneak. Too bad no one's ever heard of you, it's all. I'm not gonna take your insolence sitting down. Merde, je l'ai pas écouté. j'ai pas écouté. Il va t'aider à te raser. Ah ouais? Oh yeah. Nobody's ever drawn. Oh là, il y en a encore, ça se voit que l'alcool t'a imbibé le cerveau. I am rubber, you are glue. Est-ce que... Uncle, uncle. Est-ce que... Pour une phrase... enfin, pour une insulte, il n'y a qu'une seule réponse ou pas? Je veux bien que vous me filiez un coup de main là-dessus. Pour une insulte, est-ce qu'il y a plusieurs réponses ou est-ce qu'il y en a une seule qui fonctionne? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. Okay. You run that fast. There are no words for how disgusting you are. Okay. Donc j'en ai encore. Là, j'ai pas la réponse, de toute façon. Have you stopped wearing diapers yet? Oh là là, lui, Oh, yeah? I give up, you win! Ah, est-ce que vous me conseillez... est-ce que vous me conseillez de prendre une feuille et d'écrire ou pas? Parce que là, je commence à voir les trucs défiler. Et est-ce que la bonne vieille méthode de je prends une feuille et je commence à faire un tableau des correspondances, est-ce que c'est déconnant ou pas? Bah oui, ouais. C'est parti pour une feuille. Alors, vous voyez tout le bordel derrière? Regardez ça. Voilà, vous n'avez pas la chance de le voir tout le temps. Il y a du bordel. Oui, mais tu es quelqu'un de sensé, toi, Melzekiel. Contrairement à d'autres personnes, genre moi, qui me dit mais non, c'est ok, ma mémoire va m'aider, ce qui est faux. Mais par contre, ils peuvent se tromper eux. De ce que j'ai vu, en fait, il y a des fois, ouais, ils font des mauvaises réponses, quoi. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Alors, on a quoi? Embroché, épée. Tombe comme des mouches. Chien intelligent. Pantalon. Alcool cerveau. Bas fermier, c'est vache. Celui-là, on le sait. Celui-là, on l'a fait plusieurs fois. On le connaît.
la voix muet. Voix muet. Porter des couches. Brigand méprisable. Esprit au mien. Comme un ouragan qui est passé sur moi. Non, comme un mendiant. Aider à raser. Exprimer des goûts. Et les couleurs, évidemment. Singe poli. Et les quel idiot. Pirate. Ok. Ok. Alors. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. Oh yeah. Bon, c'était pas la bonne réponse. En fait, c'est en jaune, c'est ça, quand c'est la bonne réponse. Les gens tombent contre des mouches. My feet when they see me coming. I'm shaking, I'm shaking. Ouais, non, lui, il est nul. I once owned a dog that was smarter than you. Oh yeah. Et ouais, pour le chien, c'est il a dû t'apprendre. I give up, you win. Il a dû t'apprendre. Stopping a pirate can be dangerous to your health. Ouais, il reprend l'ascendant, mais même la couleur change en fait. Là, c'est rouge quand c'est une mauvaise réponse et c'est jaune quand c'est une bonne réponse, je crois. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First, you better stop waving it like a feather duster. Ah non. Handkerchief will wipe up your blood. Donc c'est le plumeau. Pour embrocher l'épée, c'est brandir plumeau. Brandir plumeau. Là il m'a dit un nouveau truc en fait que je connais pas. Donc even je m'en fous. Before they smell your breath. You're no match for my brains, you poor fool. Pas comparer ton esprit au mien. Ah, je bois pour tolérer des gens comme toi. Ça pourrait être. Il y avait un truc sur la boisson. Alcool et cerveau, c'est ça, ouais. Les plus beaux mollets. Excuse-moi, j'ai fait un tube l'été dernier, c'était pour la voix muet, ça. Voix muet, c'était tube l'été dernier. Too bad no one's ever heard of you at all. Yikes, nice move. Allez, on va y arriver. Move out of the way, or I cut my way through. Ouais. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Ah, bave pas comme ça, quoi. Bave. Épée. Dérapé. On va essayer celle-là. My handkerchief will wipe up your blood. So, you got that job as janitor, after all. Ok, donc c'est fermé une fois pour toutes. I've heard you were a contemptible sneak. Fermé une fois pour toutes.
J'ai appris, que t'es un machin méprisable. Brigand méprisable, je l'ai dans ma liste. Ah, ça doit être le... Too bad no one's ever heard of you at all. Je pense que c'est celui-là. Ouais, voilà. Quoi ? Personne n'est... Si tu es... Alors, les gens tombent comme des mouches. People fall at my feet when they see me coming. I'm shaking, I'm shaking. C'était pas ça, donc. Oh, you make me wanna puke. I'm shaking, I'm shaking. Eh non, c'est gouache. Wow, you're good enough to fight the Swordmaster. Non, non, pas encore, hein. Je connais... What you be wanting, you scurvy lubber? J'ai pas encore tout, My hein. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Alors, là je l'ai. My Baffe pas comme ça. Will wipe up your blood. I am rubber, you are glue. Ok, il est nul. You pantalon. Make me wanna puke. I'm shaking, I'm shaking. Oh là là, mais je suis tombé sur un gros naze. Alcool. Nobody's ever drawn blood from me and nobody ever will. I'm shaking, I'm shaking. Ouais, bon, lui il est nul. Wow, you're good enough to fight the sword master. Il me répond que de la merde. Whatever you wantin', you scurvy lubber. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Allez. My handkerchief will wipe up your blood. So you got that job as janitor off. Merde, j'ai déjà fait celui-là. Merde, je suis con. Have you stopped wearing diapers yet? Tu portes encore des couches. Je vois que tu as passé du temps chez tes parents. I'm glad to hear you attended your family reunion. Non, c'est pas ça. I'm not gonna take your insolence sitting down. Il était atrasé. I'm glad to hear you attended your family reunion. Look behind you, a three-headed monkey. Putain, ça marche à tous les coups, ça. Ça, c'est sûr, ça marche. Stopping a pirate can be dangerous to your health. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Allez. My alors, handkerchief mais non, mais j'ai déjà fait. Oh, mais à chaque fois, je reprends celle-là. So, you got that job as janitor, after all. Mais merde. Je me plante à chaque fois. You have the manners of a beggar. Alors, manners of a beggar. Manners of the Beggar, celui-là on l'a déjà eu. Ça prend un, je bois. Je crois que c'est me mettre à ton niveau. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. C'est ça. Mettre à. Niveau. Alors, les gens tombent comme des mouches. Fall at my feet when they see me coming. Even before they smell your breath. Ok. You make me want to puke. Avant la laine. Les pantalons trop longs. Les pantalons trop longs. Est-ce que ça serait pas les plus beaux mollets? You make me think somebody already did.
Ouais. Les beaux mollets. Ok, alcool, cerveau. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. You run that fast. Ok. Uncle! Je bois Move pour out lire. Of the way, or okay. I cut my way through. Oh, ça commence à être bon. Portez des couches. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Alors, portez des couches, hein, c'est ouf. Have you stopped wearing diapers yet? Why? Did you want to borrow one? Ok. I'm not gonna take your insolence sitting down. Tu voulais en emprunter. Je vais apprendre à raser. Je vais aider à raser. Je crois pas hein, que j'ai la. Je crois pas que j'ai la réponse. Oh yeah. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. Ok, l'alcool. You Hop. Run that fast? Qu'est-ce qui me manque? Alors, comparer ton esprit au mien. Pas comparer ton esprit au mien. You don't match for my brains, you poor fool. I'd be in real trouble if you ever used them. Ok. Uncle! Please. What have you wanting, you scurvy lover? Peur. Alors, aider à se raser. On va y arriver. On va y arriver. Ça avance. I'm not gonna take your insolence sitting down. Your hemorrhoids are flaring up again, eh? I got this scar on my face during a mighty struggle. J'ai déjà fait ma toilette. I hope now you've learned to stop picking your nose. Ok. Les singes polis. I've spoken with apes more polite than you. I'm glad to hear you attended your family reunion. Ok, ah oui, d'accord. This is the end for you, you gutter crawling cur. Oh, il y en a encore, quoi. Passer. Chez les parents. Ah ouais, non, mais en fait, ça a juste rien à voir. Je pense qu'ils ont pas essayé de traduire. Il y en a certaines qui sont traduites, effectivement. Mais je pense qu'en fait, ils ont juste dit bah tiens, on reprend des insultes et puis on les met, quoi. Mais oui, non, il y en a certaines, ça a strictement rien à voir. Et coucou Bibi la Diva. Je suis en train d'apprendre des insultes et de savoir comment on y répond. Et grâce à ça, je vais gagner des combats. How appropriate. You fight like a cow. Ça, c'est Yikes, normal. Nice move. Alors. What should be wanting, you scurvy lover? Des combats. Non, alors tu te bats à l'épée, et pour troubler l'adversaire, tu l'insultes en même temps. Et du coup, ça le déstabilise. Alors, exprimer le dégoût. There are no words for how disgusting you are. Yes, there are. You just never learned them.
You make me want to puke. Donc c'est trouver les mots. Trouver les mots. You make me want to puke. C'est les beaux mollets. Hop. You make me think somebody already did. Ok. Yeah. You call yourself a pirate? I'm insulted you'd even try to use that insult on me. I got this scar on my face during a mighty struggle. Oh, c'est voix muette. Merde, je l'ai oublié. C'est utiliser cette insulte. Voilà, c'est ça. Utiliser cette insulte. T'as pas ta voix à pas muer, excuse-moi. Hop. J'ai fait un tube l'été dernier. Boy, are you ugly? What's the matter? Just get out of sword fighting class. I give up. You win. Tu viens de. Stopping a pirate can be cours. Dangerous to your health. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Subtil pour moi, je préfère les zombies. Ça parle pas. Effectivement, effectivement. Quel idiot. On y va sur quel idiot. What an idiot. Bonne nuit, merci d'être passé. I've heard you were a contemptible snake. C'est tout ce que je trouve à dire. Brigand méprisable. Au moins toi, enfin toi tu sais personne sait qui tu es. Too bad no one's ever heard of you at all. On reprend tout, parce qu'il me semble que j'en ai des nouvelles. Ouais, tu peux prendre les jambes à ton cou. Merde. Les jambes à ton cou. This is the end for you, you gutter crawling cur. I'm shaking, I'm shaking. Merde. I'm not gonna take your insolence sitting down. Your hemorrhoids are flaring up again, eh? Have you stopped wearing diapers yet? Pourquoi? Tu voulais en emprunter? Merde. Hop. Why did you want to borrow one? Comment il s'est fait avoir. Allez, encore une fois pour la dernière phrase, c'est les jambes à ton cou là, faudrait que je sache. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. This is the end for you, you gutter crawling cur. I am rubber, you are glue. Merde. My handkerchief will wipe up your blood. I am rubber, you are glue. I once owned a dog that was smarter than you. I'm shaken, I'm shaken.
Bon, j'en teste un dernier, et puis après, je vais essayer d'aller Swordmaster. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. This is the end for you, you gutter crawling cur. Oh yeah. I give up. You win. Je peux pas l'avoir, rien. What you be wanting, you scurvy lubber? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Allez, faut me dire. This is the end for you, you gutter crawling cur. Oh yeah. Mais non, mais ils sont nuls. Mais ils sont nuls, les gens là. I give up, you win. Il n'y a pas un qui arrive à répondre à ça, c'est facile pourtant quoi. Allez. Oh, this better be important. My name is Guybrush Threepwood. Allez, dernier bravo. This is the end for you, you gutter crawling cur. And I've got a little tip for you. Get the point. Ok, je te tiens, il y a peut-être. I'm not gonna take your insolence sitting down. Je te tiendrai tête. Je me suis déjà. Hop, j'ai déjà fait ma toilette. Your hemorrhoids are flaring up again, huh? Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First, you better stop waving it like a feather duster. Ah. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. Bah, on vient de la faire. C'est l'une des premières. First, you'd better stop waving it like a feather duster. Putain, je deviens beau, hein. People fall at my feet when they see me coming. I am rubber, you are glue. Ah, nul. Je l'ai eu. Wow, you're good enough to fight the sword master. Je vais y arriver. Je vais y arriver. On va. There's no answer. Merde. Elle est où la reine en fait? I don't see anything special about it. Elle est où la reine? Voilà la reine, parce qu'il y a des bateaux là. Et That's a nice looking vessel. Souvent les reines elles sont sur des bateaux. Elle est où la reine? Spoil autorisé, elle est où la reine? Est-ce qu'il faut que j'aille revoir, faut que je retourne voir le vieux en fait, non? C'est une vraie question, c'est rhétorique. Non, je me demande vraiment où est la reine. Mais je pense qu'il faut que je retourne voir le vieux. Et que je lui dise, salut le vieux. Regarde, maintenant je suis fort à l'épée. Si je me plante complètement, dites-le moi avant que je fasse deux fois le tour du jeu. Vous avez le droit de me dire que je suis complètement débile aussi. Je comprendrai. Ah, pardon. Le vieux. I've got my eye on you, boy. Ouais, steal anything and I break your legs. What do you want?
I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. Look, I told you she doesn't want to see you. Maybe if you asked her again? I guess I could hike all the way over there again. Be right back. And don't touch anything! Ok. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire qui pourrait m'aider? Rien. No staples to be removed. Bon. Pas de staples dessus. C'est bizarre là, non? Non. J'ai un t-shirt, j'ai la poulie. Je vais le rappeler ou pas? Voilà, est-ce qu'il fallait que je le suive? Non mais il est pas là. Dans l'église, y a rien. Merde. Ah. Ah. Bon, c'est peut-être un indice que tu viens de me donner. Ah merde. Across the island to try and get you a reservation with the Swordmaster, who, by the way, says you can go jump in the lake. And when I come back, you're gone. Ok, 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 ok. Non, 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 c'est pas la dernière fois, s'il te plaît. S'il te plaît. I'm looking for the Swordmaster of Melee Island. Et promis, je vais te suivre tout de suite. Look, I told you she doesn't want to see you. Maybe if you asked her again. Oh, ça va. I guess I could hike all the way over there again. Be right back. Allez, vite hein. And don't touch anything. Vite. Non mais c'est quoi, c'est Putain, il est là le vieux. Je l'ai vu. Vite. Vite. Allez. Putain, fallait utiliser la porte à... Ah non, il est encore là. Vite, suis le vieux. Suis le vieux roublard, là. Allez. Oh, il est là. Regardez. J'arrive à suivre le vieux. Hein ? Quoi ? Comment ça, je viens de le voir? Sur la carte? Quand je suis arrivé sur la carte, vous l'avez vu. Bon bah on recommence. Merde. Merde. Il dit comment MV? Aveugle man, c'est ça? Ouais. Vite, hein. Ah, désolé. Désolé. Allez. Promis, on va y arriver. Should have known it'd be you again. Ah, il a une bonne oreille quand même. Le mec, il est d'autre côté de l'île. Et sa petite lake, sa petite sonnerie, et c'est ok quoi.
I'm looking for the swordmaster of Melee Island. Le vieux. Le vieux qu'on te fait tourner en bourrique et qui s'en fout. Maybe if you asked her again. I guess I could. Il ressemble à quoi normalement le vieux? Il ressemble vraiment à un vieux quoi. And don't touch anything. Oui, 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 non, je veux. Vite. Allez, vite. Voilà. Hop, oh putain, j'ai pris un raccourci. Vous avez vu ça? J'ai brain le jeu, là. Non, pas la porte. Pas la porte, voilà. Marche, marche vers le vieux. Salut le vieux, porte-t-il des couches? Salut Twinsen. Alors le vieux porte pas des couches, a priori. Est-ce que tu voulais en emprunter une? Attends, je balance des... C'est le vieux ça? Putain oui. C'était le vieux. Là, fallait savoir que c'était le vieux ça. Faut le suivre à l'odeur. Twinsen, tu n'es pas le Twinsen que je connais, hein. Bonjour à toi. Oh là là. Vite. Danger. Open ravine. Allez. Non, mais si tu te poses la question, en fait, que c'est que tu n'es pas la personne que je connais. Voilà, c'est tout. Je connais quelqu'un, en fait, son pseudo, c'est Twinsen aussi. Et, voilà, je me posais la question. Si tu étais la bonne personne. Carla, I thought I told you to get lost. Actually, I'm here on business. This kid come into my store, see? Face it, you crusty old lech. You'd make any excuse just to come out here and bother me. Yeah, I guess so. Well, cut it out. I'm sick of it. Take a hike and don't come out here again. Oh, pauvre petit vieux. And then I'd become another Melee Island tourist attraction. Hey, it's your loss, baby. Yeah, right. Now scram. Putain, quel forceur, quoi. Quel forceur. Et Twinsen, est-ce que ton pseudo ne viendrait-il pas de Little Big Adventure, par hasard? Quand tu as un splash screen. Genre quoi? Ah, le portrait. OK. How dare you approach the swordmaster without permission? Ah, pas dégueu hein. Pas dégueu du tout. C'est cool quand même, enfin la version remaster est quand même cool, je trouve. Je m'excuse, moi je dois te parler. Mais qu'est-ce qu'il a avec ses blousons en cuir? C'est pas la première fois qu'il balance ce genre de truc. Hein. Ouais, on va s'excuser. On présente des excuses déjà, on s'excuse pas. Everyone who comes here is prepared to fight. Let's be honest. You're here to prove yourself to the pirate leaders in hopes of one day being as immoral as they are. Yep. Nailed it right on the head. Gee, you're smart. I can tell by the sarcastic expression on your face that you've been fully trained by Captain Smirk. Let's get this over with. Every word you say to me is stupid. Quoi? Non mais...
Hein? Non mais elle a utilisé un truc que je connais pas. Être riche. Elle utilise des versions modifiées. Oh. Ah non. Mais je me rappelle même plus ce qu'elle a dit en français là. Tout ce que tu dis est stupide à mes yeux. Alors. C'est juste de la logique. Tu peux le faire et tu dis bien les réponses. Oui, mais alors, le problème, c'est que je m'attendais vraiment à ce que. Parce que ce soit voilà, un truc bête et méchant. Et donc, je les ai un peu écrits comme un connard. Donc, en fait, je les ai réécrits en version abrégée, quoi. Où j'ai que la moitié. J'ai juste pris des mots-clés dans ce que, dans ce que j'avais fait. Mais je sais même plus ce qu'elle m'a dit. Ah, pas de spoil sur le 3. C'est la première fois que je l'ai fait un Twinsen. Je connais les Monkey Island parce que voilà, c'est une série de jeux qui est super connue et tout. Mais c'est la première fois que je l'ai fait de ma vie. Donc voilà. Pas de spoil, s'il te plaît. Elle vient de dire que tous tes mots sont stupides. Tous les mots sont stupides. Il y avait un truc comme ça. I wanted to make sure you'd feel comfortable with me. My tongue is sharper than any sword. Alors. Bah tu t'es bienvenu hein, Twinsen, hein, tu pourras venir, mais voilà, faut juste me laisser profiter du jeu et pas me dire les réponses quoi, c'est tout. Mais si tu t'en tiens ça, y a pas de problème, t'es vraiment le bienvenu quoi. Il y a Cactus qui connaît les jeux et qui connaît même des anecdotes derrière et tu vois ça, on peut en parler tout ça et c'est assez cool en fait justement quand les gens connaissent les jeux. Donc il y a moyen d'en parler quoi, mais juste au moment, pas avant que je lise ou que je cherche quoi. Mais tu seras le bienvenu. Alors sa langue qui est aussi je sais plus quoi qu'une épée. T'aider à essayer de trouver les mots. Il y a ça ou arrête de la brandir comme un plumeau. Facile celle-là. Ah merde. Putain Cactus, tu me files la. Ouais non. J'ai l'air d'un con en fait. Tu vois, si je me plante, j'ai l'air d'un con. Eh, c'était ça. Oh là là. Ah, t'as des cuisses de grenouille, mais j'ai gagné le truc. J'ai gagné le concours. Ah
I've got the courage and skill of a master swordsman. Je ne pourrais jamais te mesurer à mon courage. Prendre les jambes à ton cou, ouais. Donc je te tiendrai tête. And I've got a little tip for you. Get the point? Non, merde, c'était pas ça. Merde. I will milk every drop of blood from your body. Sale bovin, c'est tu te bats comme une vache. How appropriate. You fight like a cow. Aha. My name is feared in every dirty corner of this island. Arrête d'ouvrir la bouche, j'ai le vertige. Arrête d'ouvrir la bouche, j'ai le vertige. Oh merde, là je... C'est une anecdote rigolote, le personnage vient du fait que pour les tests d'animation, les fichiers se nommaient Guy. Et Brush, le nom d'un sprite. Il passe, hein, Guy Brush. Comme quoi, des fois, je sais pas, t'es d'être oui, les mots. You just never learned them. Non, c'était nul. C'était nul. I usually see people like you passed out on tavern floors. Ok, ivre, c'est facile, c'est pour... c'est pour, voilà. Tolérer les gens comme toi. You run that fast? C'était pas ça? Only once have I met such a coward. J'avais un singe qui te ressemblait. J'ai une histoire de singe. Les singes plus polis. Mais il y avait le chien intelligent aussi. Du coup, je sais pas. C'est apprendre tout ce que tu sais ou voir la famille. I'm glad to hear you attended your family reunion. I give up. You win. Yes. Well, I hope you're happy. Yes. You can go back and brag to all your friends about how you beat the Swordmaster. You'll need proof. Here. This should convince them. C'est quoi? Attendez, c'est quoi le t-shirt? Qu'est-ce qui est écrit dessus? Il y a des t-shirts 100% coton. C'est pas écrit ça quand même. I beat the Swordmaster. Ok. Ok. C'est tout con. It says, I beat the Swordmaster. Voilà. Ok. Bah, je vais aller me pavaner. Putain, j'ai écrit tout ça pour 3 secondes. Bordel quoi. Allez, je suis où? Allez, on retourne au village. Hein?
Quoi? What was that? Bah ouais, c'était quoi? I'm so confused. Hey, what are you doing just standing around? The governor's been kidnapped. Putain, what? Pas mon amoureuse. By whom? LeChuck's got her on that ship that just sailed off. I'm afraid we've seen the last of her. Donc ok, je comprends que ouais, si on termine par le... Si on termine par l'idole, en fait, ouais, on voit ça direct, en fait. Ouais, ok, tu vois. Ok, je comprends mieux. Et bah merci du coup pour me l'avoir fait, enfin, me l'avoir fait faire, c'est mieux. Plus sympa. So where were you this whole time? Sleeping? Ouais, qu'est-ce qu'il foutait? Hey, I'm a lookout, not a bodyguard. Oh, le mauvais. Oh, qu'est-ce qu'il est mauvais? Where did they go? The Monkey Island. The governor back to his hideout on Monkey Island. Évidemment. I'm afraid that no pirate on this island is brave enough to follow him there. Bah, attends. But hey, good luck. Ça serait mal nous connaître. Oh yeah, I almost forgot. They left this note. You can have it, but I don't think you'll like what it says. Qu'est-ce que... Attention, pirates of Melee. Your governor is alive and well and by my side as she was always meant to be. If you try to find us, you will only meet with horrifying disaster. Yours truly, Captain LeChuck. Yours truly. C'est tellement mignon. C'est tellement mignon. Il est pas si méchant le Chuck en fait. Looks like a fine pewter tanker. Qu'est-ce qui chiale comme ça? Trois verres. Oh. Oh, c'est le cuistot, il pleure. Ouf, cuistot. Putain, j'ai chopé tous les verres, quoi. What's wrong, old sot? The governor is gone. LeChuck and his spectral crew came and got her. They put her in the ghost ship and spirited her away. She was so good to me. Always conveniently losing those health board reports. Ah, merde. Small consideration, of course. What'll become of my business? Oh, woe is me. Oh, merde. What can I do to save her? You must get a ship and go after her. Je suis pas sûr que ce soit le Covid. Everybody knows that. Don't ask me how. All you need to do is find a way there. Non, c'est pas le Covid, hein, c'est juste que c'est crado. C'est crado et il fait du grog quand même, il est, les verres fondent. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait fondre? Qu'est-ce que j'ai mis dedans la dernière fois que j'ai fait fondre? Le vase. Oui, le vase que j'ai piqué. Que j'ai piqué au palais. j'ai mis du grog dedans, le vase a fondu. Hein. Why should I do that? Why, for love, my boy. Don't deny it. It's written all over your face. Oh. Love. Eh, c'était vraiment écrit sur son visage. C'était rigolo. Where can I get a ship? Why, it's Smiling Stan's used ship. Stan, same as everybody else. Tell him I sent you. We're old friends. Will you join me? Alas, I cannot go to sea. An old war injury. I'm sure you understand. Ouais, j'avais demandé la recette du grog, ouais. Oui, j'avais demandé. Mais il m'avait dit beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de trucs dedans, et
Et je l'ai pas noté. On a peut-être dû, c'est ça? Get me a drink. Get your own drink. Right, I'm off. Good luck. Ah oui, pas étonnant que ça fonde, d'accord. Ah ouais, non, non, vu ce qu'il y avait dedans, effectivement. Hein, je... And don't forget to write. Bye now. C'est ma maman. Le pauvre, oh le pauvre. Du coup, moi je dis. This stuff is eating right through the mug. Hein? Mais pourquoi ça m'affiche là? Bon, ça fait un petit cœur. Looks like a fine pewter tankard. Bon, est-ce que je remplis les autres ou pas? I think I have enough already. Ok. J'en ai un moitié fondu, c'est ok. Alors, faut que j'aille chez Stan. Ah, faut se dépêcher. Holy shit. Merde, il a déjà fondu ce con. Any sign of the governor? None. As I said, I fear we've seen the last of her. Ok. Ok, alors le grog. Il va falloir que je prenne un grog. Oh non. Howdy. I'm Stan of Stan's previously owned vessels, and I'd stand on my head to make you a deal. What sort of craft are you looking for? Big, fast, slow. You want it? I got it. Alors, and if I don't got it, y a deux choses. I'll get it. I want to make you a deal. Je vais attendre un petit peu. You're happy with. Because if you're not happy, I'm not happy. But I know you're gonna leave here happy today. How do I know? Just look at all these ships. I've got something for everyone. Come, take a look around. So tell me, what are you interested in looking at today? Alors, deux choses. Je sens que j'ai comme le pressentiment que celui qui est pourri et à moitié coulé, ça va être pour ma gueule. Je ne suis pas sûr, certain, mais je le sens comme ça. Et est-ce que... Astan et cette chemise avec les lignes qui bougent pas. Ah, j'ai pas fait gaffe. Et donc... Est-ce que pour le grog... Je sens que pour le grog, en fait, va falloir, au fur et à mesure que je me déplace, que j'utilise... le verre qui est plein en train de fondre sur un autre verre pour le transvaser et ainsi de suite quoi. J'ai comme le pressentiment que c'est ça. Le beau bleu près du bureau a l'air bien. Ok, je vais regarder quand il bouge les bras. Something not too expensive, but built to last. Affordable quality. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est un fond transparent en fait. I've got just the boat for you. Walk this way. Now I can see you're a no-frills kind of guy. But I can also tell that quality means a lot to you. I mean, just look at the way you dress. Rugged, like this baby. She comes from a land far to the north. Where the sea is as unforgiving as the men are tough, and hey, you wouldn't happen to be from there, would you? Putain. You just seem to have a sort of Nordic quality about you. Ouais, c'est ça. Anyway, we're talking about a real value here. What kind of price range were you thinking of?
Ah, un truc qui est pas... Je vais essayer de refiler le pouic-pouic. All I have is this rubber chicken. Il y a un truc qui était pas traduit. Is it one of those rubber chickens with a pulley in the middle? The pulley in the middle? I already got one of those. Ah, tout le monde s'est fait avoir. You wouldn't happen to have any other means of finance, would you? Ah ouais? I have 371 pieces of eight. I'm glad this ship doesn't have ears, my friend. Because if she did, she'd slap your face. I doubt your... Ah ouais, effectivement. D'accord, c'est rigolo. Bon, a priori, ça va être le crédit, hein. Actually, I was hoping to get one on credit. Sorry, kid. Neither a borrower nor a lender be. Ah, zut. That's just old Stan's philosophy. If you've got a job, the storekeeper in town might extend you some credit. Then we'd have something to talk about. Ah. Unless, of course, you've already got some other means of financing. On second thought, this may not bon, be the ship. Je vais prendre le pourri. Okay, but I tell you, I got a feeling you're gonna leave here today with a new, previously owned vessel. So, what else can I show you? I don't really have that much to spend. Ouais, j'ai pas beaucoup d'argent. Have no fear. Every ship I sell is a bargain. But if you're looking for a real steal, I've got just the boat for you. Oh là, je vais me faire arnaquer. Je vais tellement me faire arnaquer. Hein? This here is the famous Sea Monkey, the only ship ever to make it to Monkey Island and come back with anyone aboard left alive. Or should I say, anything. You see, the previous owners of this ship were two adventurous pirates. They set off, like many before, to find the legendary secret of Monkey Island. And like many before, they disappeared forever. Their fate? A mystery. Almost as mysterious as how this ship returned to Melee Island without a single human aboard. Some claim it was saved. Ah oui, c'est l'équipage de singes. Ils en ont parlé, ouais. Chimps? There aren't any chimps in the Caribbean. Oh, shut up. It makes a good story. Anyway, this baby's mine now. That is, until someone makes me an offer. What kind of price range were you thinking of? À savoir qu'une adaptation de Monkey Island en film avait été mise en œuvre puis abandonnée. Ted Elliott, hein, qui a été chargé de l'écriture de Pirates des Caraïbes, avait travaillé sur le scénario. Premier storyboard du film Monkey Island. Possible qu'il ait utilisé des idées dans le premier film. Seul qui est très bon. D'accord. Ah, c'est vrai que dans l'ambiance, on est un peu dedans, ouais. Effectivement. Belle anecdote. I have 371 pieces of eight. Look. This is a very reasonably priced ship, but not that reasonable. I don't think you've got the cash for this transaction either. You do have some other means of payment, don't you? Money is no object. Well, it is with me. How much you got? On second thought, this may not be the ship for me. Okay. Okay. But I got five other guys coming back to look at this baby today. Oui, 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 don't oui, oui. Count on it being here if you change your mind. Oui, so, oui, oui. What else can I show you? Le beau bleu près du bureau. That spiffy blue one by your office looks nice. C'était quoi? Of course it does. It's mine. Ah. And it's not for sale. Ouais, forcément. What else can I show you? Bon, je vais tous me les faire, hein. Let me see the best ship you've got. Le meilleur.
Hey, it's nice to meet a man who appreciates quality. Pourquoi ça va être Aziz, non? Walk this way. She told me to walk this way. Now this is a ship fit for a king. I mean, we're talking 15 staterooms, a fireplace in every one. We're talking two pools. des cheminées sur un bateau en bois. Je suis pas sûr que ça soit une très très bonne idée. And all for one low price. Speaking of price, let's talk about money. Your money. Le jeu est inspiré de l'attraction Pirates des Caraïbes et le film est inspiré du jeu. Bah, c'est super. Dépendance circulaire. Et on parle de cette anecdote quand tu auras terminé le jeu. Conserve-la en tête. Ça marche. I have 371 pieces of eight. I think we must be talking about completely different ships here. You've obviously been out of the ship market for quite some time. I don't think you've got the cash for this transaction either. You do have some other means of payment, don't you? All I have is this rubber chicken. Bon, a priori, il veut quelque chose. Rubber chickens with a pulley in the middle? I already got one of those. You wouldn't happen to have any other means of finance, would you? À part un autre, oh là là, merde. This may not be the ship. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être encore cette connerie? Okay, but I tell you, I got a feeling you're gonna leave here today with a new, previously owned vessel. So, what else can I show you? Le rouge, le viking, le marché, comment? How much do you want for yours? I told you, it's not for sale. Jeez, you're annoying. But hey, so am I, right? What else can I show you? Pourquoi autre? À chaque fois qu'il dit autre. Actually, I'd like to go think about it some more. Sure, think it over. I don't want you to feel pressured or anything. Bye now. I forgot to give you my card. Merde. Oh là. Il est génial ce jeu. A compass? An extra strong magnetic compass. With your picture on it. That's right. It always points directly back here, so if you're looking for a good deal, you know where to go. I'll be right here when you come back, but I can't guarantee that any of these ships will. Right. They're moving fast today. Yes, sirree. Can't hardly keep anything in stock. He'll be back. Alors, j'ai le magnète. Le magnète, je pensais l'utiliser sur le distributeur de boissons. Vu qu'il disait que c'était un magnète super puissant et donc je pense que ça peut attirer les trucs. Là, j'ai pas trop d'idées où aller. Je pense qu'on va arrêter là. Il est 23h36. Là, si j'avais eu une idée en me disant tiens, c'est là où faut que j'aille, c'est sûr. Je pense que je l'aurais fait, mais. Mais ouais, non, je pense. Oh bah, mais Ezekiel, mais direct. Blah, belle nuit. Eh, on peut en avoir le droit de discuter un peu ou pas? Ou est-ce que c'est parce que toi tu t'en vas? Mais ouais, non, je pense que. Ah, Twinsen. Faut aller au lit. Ah ouais, d'accord. Non, ok. Je crois que tu me donnais un indice. Non, d'accord. Ok, d'accord.
J'ai compris. Hop, donc je vais sauvegarder ma partie. Hop, ouais. Et je vais quitter le jeu. Hop, de toute façon, je pense que je vais... Oh, cette musique. Oh, cette musique, elle est géniale, quoi. Écoutez-moi ça, quoi. C'est ouf. De toute façon... Hop, donc j'arrête là. Je repasse. Magnifique scène de Tolkien. Oh là là, mais que c'est beau. Que c'est beau, mes amis. Je suis tellement content d'avoir fait ça. De toute façon, je pense qu'on va, on va remettre ça demain. Le jeu me plaît vraiment et j'ai vraiment envie de le faire. Donc je pense que... Mais... J'ai un truc sur le pif. Hein, je sais pas, ça fait bizarre, hein, caméra. Faudra faire Sam et Max. Ouais, Sam et Max, j'ai jamais fait non plus. J'ai jamais fait non plus. Ah oh, non, mais ça y est, Twin Sun qui va me donner tous les... Mais... Et j'ai un truc, hein. Non ? Non, ça fait super chelou. Bon, bref. Du coup, ouais, non, Twin Sun qui va me filer tous les point and click de la Terre. J'en ai pas fait beaucoup, c'est vrai. Il hein. Y a Grim Fandango que j'aimerais bien faire aussi. Il y, y a la version remaster de Grim Fandango, a priori, qui est pas mal. Donc j'aimerais bien me le faire, Grim Fandango. Voilà, voilà. Donc on va sûrement se retrouver demain pour la suite de... Pour la suite de Monkey Island. Twin Sen, Je t'invite à follow la chaîne si tu as envie de voir la suite de mes aventures. Et peut-être... Ah, en plus, regarde. Magnifique alerte. Merci beaucoup, du coup, pour ton follow. Voilà, on se retrouve demain. Et puis, bah, merci d'être passés tous. Merci pour les petites anecdotes sur le jeu. C'est vraiment chouette, en fait, de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Et puis voilà, on se retrouve demain. Passez une bonne nuit, une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et des bisous.